La révolte en Syrie prend un autre tournant. De violents combats opposent depuis dimanche les rebelles à l'armée régulière dans la capitale, Damas. Pour les rebelles, c'est un coup porté au régime du président Assad. Les militaires, eux, sont appuyés par des chars et par des hélicoptères. Ces derniers sont entrés pour la première fois en action cette nuit. Les combats seraient concentrés dans plusieurs quartiers périphériques, Kaboun à l'est, Kadam au sud, à Assali, à Jar el-Aswad, ainsi que Midan, près du centre-ville. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Midan aurait été la cible de tirs d'obus de mortier et la mosquée de Ghazat Badr aurait été détruite. Il y aurait aussi de très nombreux blessés. Des témoins ont rapporté avoir entendu des tirs d'armes automatiques sur la place Sabeh Barat où se trouve la banque centrale. Les combats auraient fait près de 150 morts lundi, dont plus de 80 civils.